Yo les boys, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo un peu plus spéciale que les autres, dans le sens où je vais vous faire un unboxing d'un objet que j'ai attendu depuis la sortie. Je sais pas du tout si vous allez vous en douter. Il s'agit de... Ah putain, elle est lourde, hein. Il s'agit de la PS5, de la nouvelle PS5 qui est sortie en octobre, il me semble, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Donc voilà, alors comment ça s'est passé? Et ben c'est que j'ai pas pu l'avoir bien évidemment parce qu'il fallait la réserver. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il fallait la réserver, machin, etc. Et du coup, bah au départ, si vous voulez, il y avait des petits soucis, ça fait un gros buzz. Et puis voilà, Wally et Walouf. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me la suis réservée. Je me la suis réservée et du coup, comme je me la suis réservée, j'ai attendu je sais pas combien de temps. C'est quand que je me la suis réservée déjà? Bon, il y a au moins genre vers septembre ou septembre. Non, pas septembre. Bon, il y a quelques jours de cela, quoi. Enfin bref, quelques jours de cela. Et du coup, si vous voulez, voilà, j'ai attendu. Et j'ai eu un appel hier après-midi, comme quoi je pouvais la chercher, etc., etc. Du coup, je suis allé la chercher le matin et puis j'ai fait que ça, hein, de toute façon. J'ai fait que ça et puis voilà. On va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir. Alors, je me suis pris un jeu. Je me suis pris un jeu. Je me suis pris Spider-Man Miles Morales. Donc c'est, on va dire, à peu près la suite, on va dire entre guillemets, la suite du Marvel Spider-Man, dans le sens où dans le jeu, Miles Morales s'est fait piquer par une araignée. Et du coup, il a donc les pouvoirs donc de Spider-Man. Alors, franchement, voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je sais que c'est à peu près la même chose que l'autre, bien évidemment, nos systèmes de gameplay. Niveau histoire, j'ai pas du tout regardé, j'ai regardé aucune vidéo. Et puis voilà, franchement, c'est vrai que Spider-Man Miles Morales, c'était quand même le premier jeu que je voulais tester. Que je voulais vraiment tester, une exclusivité. Alors. Ah, bordel de merde. Et voilà la belle bestiole. Voilà la belle bestiole. Donc, il y a tout, hein. Enfin, j'espère. Enfin, normalement, oui. Il y a la PS5 plus la manette. Donc, la PS5, il y a deux styles de PS5. Il y a la version. Pas remasterisée, je suis bête. La version physique avec, si vous voulez, cette fente-là, tu vois. Si vous voulez, il y a ça, donc c'est la version avec les CD, et puis vous avez l'autre qui vous permet d'acheter les jeux directement sur la console. Personnellement, je préférais, même si c'était plus cher, il me semble, je préférais la version avec les CD. Même, c'est vrai que niveau esthétiquement parlant, c'est vrai que on va dire, plus qu'on a ça, c'est moins fin. C'est moins fin, et du coup, voilà quoi. Comment te dire, c'est beaucoup moins fin, c'est moins beau, c'est vrai, mais ce que je te dis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, alors, écoute, on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il y a. C'est plus facile à ouvrir. J'espère pouvoir la brancher dans ma chambre, hein, parce qu'il y a quand même la PS2 qui est branchée depuis quelques temps. Bon, j'y joue plus trop parce que voilà, j'avais joué aux jeux que je voulais rejouer impérativement. Pas tous, bien sûr, mais franchement, voilà. Franchement, c'est nickel, quoi. Enfin, nickel. Pour l'instant, on est très très bien. On est très très bien. Est-ce qu'il y a un autre scotch quelque part? Aucune idée, je sais pas du tout. Je ne vais pas faire de tuto comme quoi pour vous montrer comment la brancher, hein, bien évidemment que non. D'accord. Ça fera beaucoup trop long et puis bien évidemment il y a des tutos qui sont un peu plus explicatifs, enfin, qui sont un peu plus comment vous dire, un peu plus
truc là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on peut voir. Oh, la manette. La manette. Les fils. Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pour la manette, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Faudrait que je me... Mon petit chat, il veut se mettre dans le sachet. Je n'ai aucune idée, hein. Je sais pas du tout. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour... Ça, c'est le câble HDMI, peut-être? Non, c'est pas marqué. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour brancher la... Pour brancher tout ça. Hein. Et puis ça, c'est la très, 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 très belle manette. Elle est... C'est vrai qu'elle est super belle. C'est vrai qu'elle est plutôt sympathique comme manette. C'est vrai que prise en main, c'est la même chose, on va dire. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est juste que... voilà. Franchement, regardez un peu tout ça là. Regardez tout ça en plus avec les beaux boutons. C'est une sorte de. Je sais pas. Franchement, nickel chrome. Ils ont repris la même chose. Ah bah tiens, il y a quand même le micro sur le bouton du micro sur la manette. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est guide de mise en route. Ça, c'est la garantie, guide de sécurité. Il y a marqué ce qu'il y a dedans ou pas? Bon, c'est pas marqué. C'est pas marqué pour ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout ce que c'est vraiment pas. Si c'est pour mettre la manette, ok. Ok. Ah, petit chat. Et c'est tout. Ah, pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose à mettre hein, au niveau. Il n'y a pas grand chose à mettre au niveau, niveau branchement, j'ai l'impression, comparé à la PS5, enfin la PS4. Waouh, hein. Putain, c'est merde pour moi. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment super magnifique. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà à quoi elle ressemble. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à brancher. Tout ce qu'il y a à brancher. Là, c'est pour mettre la... Voilà, c'est une machine à café. C'est une machine à café. Parce que c'est vrai que c'est... ça n'a pas fait le buzz, si vous voulez, mais ça... Comment vous dire, ça fait... Ça fait un peu rire les internautes dans le sens où bah, tu as la machine à café, donc la PS5 que tu as, ou tu as vu une foin grippin ou je sais plus trop quoi. Bon, bref, c'était des trucs assez drôles, franchement, c'est des trucs vraiment drôles. Après, voilà, bref. Bah, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, en vrai. Hein. Pas grand chose à vous montrer. Voilà. Voilà, donc j'espère. J'espère être vraiment pas déçu. Bon, déjà, je suis pas déçu. Hein. C'est vrai qu'il y a des points négatifs et des points positifs quand même sur cette console. Mais vraiment, franchement, voilà, je serai avec. Et puis, bon, je serai avec. Donc, tu m'as compris. Voilà. Bon, j'ai fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao.